Dans cette séquence, nous allons calculer la valeur de l'intégrale entre 1 et e de 1 sur u du. On doit chercher une primitive de 1 sur u. Donc, une primitive de 1 sur u, ça va être ln de u. Pris entre 1 et e. Donc ça veut dire qu'on va faire la borne supérieure, ici. Donc l'image en e. Donc ça veut dire ln de e moins l'image de la borne inférieure, c'est-à-dire en 1, donc ln de 1. Mais ln de e ici, ça vaut 1, et moins ln de 1, ici, ça vaut 0. Si vous ne vous souvenez plus, on va faire un petit rappel sur ln. Donc ln, c'est la fonction qui est strictement croissante sur 0 plus l'infini et qui a cette tête-là. Alors après, elle monte tout doucement. Donc l'image en 1, c'est 0. Et l'image en e, ici, c'est 1. Donc ce qui veut dire que l'intégrale vaudra 1.